Numéro 4, Elle Faïdo, 42,63%, présentée par Laurent Beaulieu. Il vient de l'Indre, Jean-Luc Gaillard. Un fils de El Triunfo. Alors El Triunfo, bien sûr, l'anglo-arabe, hein, fils de l'Estragon, à ne pas confondre avec El Triunfo, le champion d'obstacles, vainqueur d'un grand steeple chase de Paris sous la selle de Dominique. On va marcher, allez-y, on va marcher bien droit dans l'axe. Et l'entraînement de François Roux, qui est ici présent d'ailleurs. Donc El Triunfo pour le père, mais même vainqueur d'un grand critérium des anglo-arabes à Mont-de-Marsan et de la poule d'essai sur cet hippodrome de Et on va revenir. Compter ses grands succès à Tarbes, père de Le Pascalin. El Faïdo, né tardivement, hein, le 30 mai, le frère cadet de Santiago. Oh, doucement, doucement. Le frère cadet de Santiago. Ça va ? Lauréat de la Coupe des Anglos à 37,5 à Pompadour. Et dauphin du ministère de l'Agriculture. Voilà un cheval classique, la souche de Cangère-Lyon. Jean-Luc Gaillard a cherché à refaire le même croisement que Santiago avec on va trotter maintenant. La mère El Santiago, puisqu'il lui a mis comme étalon El Triunfo, lui-même fils de l'Estragon, et l'Estragon n'est autre que le père. Ce Santiago. On est parti au trot désormais avec El Faïdo, dont je vous rappelle la date de naissance tardive, le 30 mai. Allez-y au trot. Et avant, on m'a indiqué en bas droite. De sa page de catalogue, dans le point rouge. Jean-Luc Gaillard, bien sûr, n'a pas manqué de mettre son bulletin de prix de réserve dans l'urne dédiée à cet effet qui se trouve dans le secrétariat. Il y a 6 urnes dans le secrétariat. Une